Bon, dis au revoir aux animaux. Dis au revoir. Non. T'es bien ok. Tu dis au revoir toi aussi? Les yeux là, toi. Putain. T'es tout sale en plus. Qu'est-ce que t'as dans les yeux? Ah. Au revoir Crispy. Au revoir Ivy. Jules? Dis au revoir. T'es bien. T'es encore là toi? Je veux des câlins. Et Zaza? Mais non, Crispy, arrête. Au revoir, Zaza. Au revoir, Crispy. Tu viens avec nous? Ouais, vas-y, ok. Vas-y. Vas-y. Ouais. C'est parti. Reviens. Au revoir, Yuki. Salut les pépères, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça y est, je m'envole vers ma première TwitchCon. En même temps, vous me direz, c'est la seule qui a eu lieu en France pour le moment. Mais bref, c'est aussi ma première vidéo en mode vlog. Et vous le savez, c'est une activité qui me tient à cœur et j'aimerais beaucoup continuer d'en faire et ce dans d'autres contextes. J'ai déjà repéré quelques erreurs que je corrigerai, mais bon, forcément ça sera pour une prochaine fois. J'espère néanmoins que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos idées, suggestions, remarques ou juste pour me dire que vous avez kiffé. Ou non, hein, allez savoir. Bien évidemment, vous pouvez laisser un like sur cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Ah, ça c'est mon gros doigt, désolé. Vous retrouverez tous mes réseaux en description. N'hésitez pas à me suivre sur ces derniers afin de pouvoir partager avec moi mes chouettes péripéties. Sur ce, bon visionnage à tous, des bisous, on se retrouve plus tard. Jour J de l'ouverture officielle de la TwitchCon 2023 à Paris. On s'est rapidement arrêté avec Lulius pour prendre un tout petit déjeuner dans un bar à côté de l'event. Arrivés sur place, nous avons très vite été rejoints par Zelda et ses mates pour au final passer une très grosse partie de la journée ensemble. À ce moment-là, on attendait d'entrer dans la Loot Cave. Cet endroit est une boutique éphémère propre à l'event de la TwitchCon où l'on pouvait acheter des produits exclusifs. Comme vous le voyez, il y avait vraiment de tout en termes de goodies.
Me concernant, je me suis contentée de pins, d'une paire de chaussettes, d'un t-shirt, ainsi que d'un pull. Tu veux filmer? Tu veux dedans? Voilà. Oh, t'es en plein dedans, hein. Je suis désolée, hein. Oh, t'inquiète. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de la cérémonie d'ouverture car nous participions à un Creator Camp au troisième étage. Dommage pour nous parce qu'il paraît que c'était hyper bien foutu. Je le saurai pour la prochaine fois. Peut-être que je craquerai un jour pour une paire de crocs. Vous serez les premiers informés. Comme je ne savais pas si j'avais le droit de filmer les Creator Camp ou même les stands des artistes et des marques, vous n'en verrez que quelques images de loin. J'en suis sincèrement désolée. Je m'en souviendrai à l'avenir. Au pire, on me dira simplement de ne pas filmer, et puis c'est tout. La TwitchCon a été pour moi le moment où j'ai pris connaissance qu'il existe des championnats mondiaux de chat perché. Jamais je ne l'aurais cru. Ici se tenait un stand où tout le monde pouvait œuvrer à construire Paris en Lego. Je me demande bien à quoi ressemble le résultat maintenant. C'est sur le stand Algato où j'ai repéré quelques produits qui me faisaient de l'œil depuis longtemps et qui m'ont conforté dans l'idée d'un jour les acquérir. J'ai, durant cette journée, aussi appris de l'existence d'EVA. EVA pour eSport Virtual Arena, ou en français, Arène d'eSport Virtuel.
L'event touche tout doucement à sa fin, car je n'y suis allée qu'une seule journée. Mais avant de terminer, je souhaitais vous faire entendre quelques bribes du stand NYX, une marque de maquillage où l'ambiance était enflammée. Alors attention à vos oreilles, parce que c'est court, c'est bref, mais c'est intense. Aïe aïe aïe, cette tête. Qu'est-ce que j'étais fatiguée ce dimanche matin. Mais sincèrement, je ne regrette rien. Le ChichCon était génial. Et si c'était à refaire, clairement, je le referais. Donc, qui sait, on se verra peut-être l'année prochaine, quelque part en Europe. T'en sauras, toi? Allez, un petit tour sur le trône. Comme tu peux le voir, je n'en pouvais plus d'attendre. Puis, je file le dodo.
Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite sur ma chaîne Twitch, toujours en description. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi et à la prochaine.